Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le MP9 du Marex optimisé. Installez-vous confortablement, prenez une boisson optimisée et suivez-moi pour cette vidéo en mode optimisation. Merci de penser à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner si par malheur vous avez malencontreusement oublié. Merci. Alors, ceux qui me suivent depuis un moment, ils ont sûrement pas oublié que j'ai déjà présenté ce MP9 du Marex. Que j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié par rapport à sa manipulation, son côté incroyablement réaliste, mais aussi le gros kick de son blowback qui fait un bon petit recul bien sympa. Et franchement, quand on l'a dans les mains, eh ben, il fait vrai quoi. C'est un super matériel. Mais quand même avec un certain bémol. Puisqu'au niveau du groupement, c'était un petit peu la cata. A l'époque, j'avais obtenu à 7 mètres un groupement de 12 cm par 13, ce qui fait une surface de 156 cm². En plus, il y avait quelques impacts qui étaient carrément sortis de cet énorme groupement. Non, c'était vraiment, mais alors vraiment pas terrible. En plus, si on le compare avec le HDR68 et ses meilleures billes, les PLB68, avec lesquelles on avait obtenu un groupement de 5 cm par 4,5 et une surface de 22 cm². Eh ben là, il n'y avait pas le moindre rapport au niveau précision. Vous allez me dire, c'est pas la même arme, le canon est plus long, patin, coup fin. Ok. Alors regardez ce qu'on avait obtenu, toujours avec le fameux HDR68, mais cette fois-ci avec les RUB 68, qui sont les billes qui se rapprochent le plus de celles utilisées par le MP9 lors de l'essai originel. Eh bien, cette fois-ci, le groupement se rapproche beaucoup plus de celui qu'on avait obtenu avec le MP9, puisqu'on a un groupement de 9,8 cm par 12,4, ce qui fait une surface de 122 cm², soit 27% meilleure que celle obtenue avec le MP9. Là, on n'est plus sur un rapport du jour et la nuit. Surtout que le HDR68 était avec le pointeur laser au light. Alors, je vous propose de refaire les essais de précision avec le MP9, mais dans les meilleures conditions possibles. Déjà avec les meilleures billes possibles, les PLB 43, mais aussi avec un pointeur laser au light. Allez, l'essai sur le MP9 optimisé, eh ben c'est parti. L'ensemble de la gamme T4E du Marex est disponible chez Tommy Gun, avec quasi toutes les références en stock, aussi bien au niveau des répliques que des munitions. Les tarifs sont extrêmement bien placés et en plus on bénéficie d'un paiement jusqu'à 10 fois. Et surtout, toujours avec un service SAV irréprochable. Alors avec les PLB calibre 43, je pense qu'on va être dans les meilleures conditions possibles. Car en calibre 68, sur cible, elles avaient obtenu les meilleurs résultats aussi bien avec le HDX68 qu'avec le HDR68. Il me semble qu'elles sont le juste équilibre entre le poids et la dureté. Elles sont annoncées à 1,15 g par le constructeur, mais en fait je les ai contrôlées et le poids est plutôt entre 1,16 g et 1,17 g. Alors que les fastballs, celles qui ont été utilisées dans le test originel du MP9, sont à 0,9 g, ce qui fait presque 30% de moins que les PLB. Et avec un poids un peu plus important, on devrait avoir une amélioration de la précision. Et puis surtout, le diamètre des PLB est légèrement plus important, puisqu'on a sur le diamètre 0,2 à 0,3 mm de plus par rapport au diamètre des fastballs, ce qui devrait encore accroître la précision. Et ce diamètre plus important leur permet aussi d'avoir un meilleur rendement dans le tir et donc d'avoir une vitesse de sortie de canon sans trop de pertes malgré l'excédent de poids. J'ai donc repassé au chrony les fastballs avec les PLB. Et j'ai obtenu avec les fastballs une vitesse moyenne de 107 mètres secondes, ce qui fait 5,2 joules. Et avec les PLB, une vitesse moyenne de 93 mètres secondes et de 5 joules. Effectivement, la puissance diminue un peu malgré le surpoids, car généralement, ça a tendance à toujours augmenter un peu quand on augmente le poids. Jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais là, le principe de la différence entre les deux matières doit rentrer en ligne de compte sur la vitesse. Cependant, 93 mètres secondes de moyenne, c'est une vitesse tout à fait intéressante pour un calibre 43. Parce que je pense qu'avec le calibre 43, on ne recherche pas le maximum de puissance possible, parce que ce matériel n'est pas le plus adapté pour la défense du domicile. Un HDR50 ou mieux un HDR68 serait plus cohérent dans ce cas. Non, avec les T4E en calibre 43, je pense que l'intérêt est plutôt de rechercher à avoir le maximum de précision pour pouvoir être utilisable de manière intéressante en tir. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du projectile choisi pour l'optimisation. Maintenant, au sujet du pointeur laser. Je suis parti sur le Balder RL. En toute honnêteté, je suis vraiment fan de ce modèle.
surtout pour les armes de poing, et elle s'intègre de manière admirable sur un pistolet moderne. Et au niveau de l'efficacité, elle est parfaitement au niveau des autres lampes. En tout cas, moi, j'ai pas été capable de mesurer une quelconque différence de précision. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer, pour ceux qui l'ignorent, que chez Olight, il y a de très grosses promotions du 21 au 29 novembre. Alors, si vous souhaitez acheter du matériel Olight et que vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en passant par mes liens qui sont en début de la description de cette vidéo. Ainsi, vous soutiendrez la chaîne, mais en plus, vous trouverez dans la description un code promo vous permettant d'avoir une remise de 10% sur la quasi-totalité du catalogue. Alors, si vous souhaitez acheter un matériel Olight, merci de le faire en utilisant mon code promo et mes liens. D'avance, merci pour votre soutien. Maintenant, il est temps de mettre toutes ces hypothèses en application. C'est parti pour le stand de tir avec le MP9, sa Olight RL et les PLB-43. On est à 7 mètres. Et maintenant, on refait les tirs dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci avec les fastballs. Allez, on regarde ce que ça a donné. Alors déjà, il y a un écart beaucoup moins important que ce que je pensais entre les PLB et les fastballs. Car dans l'optimisation que j'ai fait, en fait, le pointeur laser Olight a fait le plus gros du boulot. Puisqu'on est passé d'une surface de 156 cm², qui, je rappelle, était le résultat qu'on avait obtenu dans ma vidéo initiale sur le MP9, avec en plus 3 ou 4 impacts qui étaient sortis du groupement, à cette fois-ci 52 cm² avec tous les impacts d'engroupement. Un résultat qui n'a absolument rien à voir avec le précédent. Oui, je sais, j'ai pas fait autant de tirs dans cette cible que ce que j'avais fait dans mon précédent test. Mais pour faire cette vidéo, j'ai fait quand même pas mal d'essais, et j'ai fait au moins 3 ou 4 séries de tirs sur cible, et je peux vous assurer que tous les essais que j'ai faits étaient à peu près dans le même type de groupement. Regardons maintenant le groupement qu'on a obtenu avec les PLB. Ben, la surface descend à 36 cm². Effectivement, c'est pas démentiel par rapport au fastball. Mais par contre, je tiens à bien préciser que la cible avec les PLB, c'est pas la meilleure que j'ai pu réaliser. Parce qu'à chaque fois, j'ai quand même quelques séries de tirs pour pouvoir régler le laser et pour pouvoir me familiariser avec ces munitions. Et le meilleur résultat que j'ai pu obtenir avec les PLB, c'était moins de 15 cm². Ce que j'ai jamais réussi à faire avec les fastballs. Alors oui, les PLB gagnent, mais les fastballs ne sont pas du tout à bannir, sachant qu'elles ont un atout de poids. Elles sont indestructibles. Il y a un lot que j'ai utilisé, que j'ai récupéré sans cesse, j'ai utilisé je ne sais combien de fois, et pourtant j'observe aucune différence de résultat sur cible par rapport à des billes neuves. Même si par acquis de conscience, avec les fastballs, j'ai utilisé quand même des billes neuves pour ce test. Non, les fastballs sont vraiment très économiques à utiliser. A savoir quand même que les PLB se réutilisent aussi assez bien, sous réserve de pas tirer dans n'importe quoi. Si vous mettez quelques cartons derrière les cibles, vous pouvez les réutiliser au moins une dizaine de fois sans problème. Surtout qu'avec une puissance aussi réduite que 5 joules, elles éclatent pas souvent. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que tout le matériel que vous avez vu dans cette vidéo et plus encore, vous le trouverez au meilleur tarif chez Tomergun. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour... plein d'autres vidéos. Salut les amis !